Bonjour à tous, c'est FaZe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Dragon's Dogma et aujourd'hui en compagnie de Lord Krylef, ou Krylef, tu m'as dit que je pouvais faire comme je voulais. Ouais, ou Krylef, tout simplement. Bien, Donc. salut tout le monde. Ou Lord aussi? Non. Non, ça sert à rien. Non. Ça, c'est trop prestige, tu le sens pas trop. Ouais. Donc, ouais, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, que toi tu n'as pas encore vu. Je suis sorti de Cassardis et là on va se diriger rapidement grâce à une pierre vers Gren Soren. Donc nous y voilà. Et visiblement il y a du monde qui a envie de me parler. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non. Tiens, qu'est-ce donc? Ah oui, d'ailleurs j'ai remarqué qu'une partie du village s'était cassé la gueule dans la cinématique. Ouais, en image de synthèse et tout. Ouais. C'était pas très rassurant. Ah, le bas quartier d'ailleurs, justement. Ouais, bah tu verras. Suspense. Le duc vous attend. Ah, je croyais qu'il avait crevé celui-là. Non. Ah. Ah, c'est pas joyeux ce qu'il vient de me dire, le carabin. On aurait préféré que tout le monde, que tout le monde soit englouti là, c'est pas la joie. J'ai peut-être fait une connerie en battant le dragon. Ouais, je veux voir. Ah bon, si je le battais pas, c'était la meuf qui se faisait croquer, enfin la duchesse, et je devenais duc. Donc pas de grand intérêt parce que j'ai l'impression qu'il se sentait un peu seul le héros quand même, hein, pour le coup. Je sais pas où était l'intérêt. À part le succès. Ah. Ah tiens, sale gamine là, Simone. Toi, t'as eu la duchesse en personne. Ouais, ça dépend de l'affinité que t'as avec les autres Ah, mais t'as PNJ pu? du jeu. Ah ouais? Ah, je savais pas ça. Simone m'a collé une tarte, tiens. Tiens, je vais te Donc, il y en balancer. a qui ont été surpris parce qu'ils avaient par exemple l'aubergiste Oh! ou le forgeron. Ah, pas mal. Là. Ah tiens, non. Alors attends, je vais martyriser Simone un petit peu, comme elle n'a pas voulu me filer la dalle d'or. Tiens, voilà. Contre le mur. Bon, j'ai un peu beaucoup martyrisé, j'avoue. Allez, rentrons dans le château, allons parler à ce cher duc, qui apparemment était donc du coup un ancien insurgé lui aussi. Ouais. Est-ce que ce serait du spoil que tu me dises pourquoi il a voulu étrangler sa femme, entre guillemets? Bah, tu pourras savoir bientôt. D'accord. Parce qu'il avait l'air assez possédé, donc du coup, alors. Ah oui, je vais pouvoir aller piller la salle des coffres, car vous m'avez tous dit que je pouvais, mais comme ils étaient à côté. Ah merde. Ouais, t'as juste pris le trésor et t'es parti. Ouais, bah oui, parce que comme ils étaient devant, je me suis dit, si je me fais pincer, j'ai pas envie d'aller en tôle. Sauf qu'apparemment, il n'y a plus de trésor. Ah, je me suis fait avoir. Tant pis. Par contre, là, il y a un petit bug. Il faut que j'aille en haut? Ouais, il faut monter apparemment. Ça, je trouve ça marrant. Tu cours dans les RPG, à côté de tout le monde. Il n'y a jamais personne qui dit quelque chose. Ouais. N'importe quoi. Alors, la piaule du roi, enfin du duc. No human hands could fell that beast. No. You took the dragon's bargain. You conspired with it to wither me and usurp
Il est parano, papy. But you'll not be quit of me so easily. Ah, je dois battre le vieux? Non. Ah, ça pleut pas, laisse-le parler. Si tu... Bon, de toute façon, pour ce qui est... Là, il est prêt à te frapper, là? Ouais, bah, dans l'état où il aura du mal à me toucher. Hein. Bah, laisse-le parler, tu verras. L'été étrangère tant que le baron respire encore. Ah, visiblement, j'ai tué le dragon un petit peu trop tôt. Ah, il pense que j'ai sacrifié sa femme. C'est ce qu'il a fait lui en fait. Ouais, c'est ce que j'ai l'impression. Du coup, parce qu'il voulait la vie éternelle. Ouais. Il en dit des choses, le vieux. Et... il se démène quand même, hein, parce que putain, il a une grosse épée. Hein. Raté. Raté. Moi, il dit plus rien, par contre. Finis-le. Ah ouais, à ce point. Je peux l'attraper. Oh, je vais jeter par le carreau. Oh, c'est pas possible, c'est pas drôle. Alors. Flèche funeste. Ça va être gentil. Voilà. Ah, il a de la vie quand même. Bah ouais, c'est le roi. Enfin, le duc. Ouais, mais bon, dans l'état où il est, on pourrait s'attendre à ce qu'il aille plus très bien. Surtout qu'il a pas récupéré son cœur, oui. Si. Bah si, je pense. Parce que moi, j'étais à côté du dragon, le dragon me l'a rendu. Et... bon, voyons voir qu'est-ce qu'il va nous accoucher, ce qu'il va nous dire maintenant. À part le fait qu'il pense que... ah. Ça, c'est de l'arnaque. Oh, le mytho. He will tell you the beast is dead. Lies. He has become its minion, spreading evil upon this land as upon its ruler. Just look upon the hellish wall. The gates where once our city stood. And tell me, this is not the work of the dragon's dark magic. Je vais être dans la merde là. Seize this traitor at once. Fuite. Ouais, c'est loin. Vol, vite, haut et loin. Ouais, je me suis fait enfiler là quand même, parce que je voulais jeter par la fenêtre, c'est pas possible. Par contre, la cinématique, lui, il peut. Bah ouais. Ah, qu'est-ce qu'il y a, se passe? Il va me défendre? Non. Ah non, non. Fou. Bon, bah, fuite, hein. Il a rejeté la société. Ouais. Putain, c'est pas juste. J'aide tout le monde et puis après, je sauve tout le monde en tuant le dragon et après on croit un vieux croulant qui ressemble plus du tout au duc d'avant. Mais il a la couronne. Ouais, j'aurais dû lui piquer, tu vois. Fuite impossible. Ah si, si je saute dans le trou. Ouais. J'ai l'impression que ça va se transformer en pull d'éternité, cette histoire.
Là où tu peux voir la ville avec un gros trou énorme à l'intérieur. Au milieu. Ah, des harpies qui sortent. Bon, tant que c'est pas des succubes, c'est bien. Ah, c'est marrant, pourquoi les harpies me font pas chier. Ah, me dis pas que le dragon vit à travers moi. On peut faire un saut de portal, c'est marrant ça. T'es où là? Bah je viens de voir que je me voyais au fond du trou en fait, enfin un truc dans le genre. Ouais. Ouais bingo, plus d'éternité. I believe I can fly. Bon par contre du coup je sais pas ce que je dois faire. Parce que j'ai vu une de tes vidéos qui était comme ça, mais... Tu dois atterrir avec une... sur une des plateformes, en appuyant sur une gâchette. Ah, je suis tombé au fond du trou. Ah oui, mais d'accord, comme je tombe à l'infini, c'est bien. Ouais. Une plateforme favorite ou... Bah la première qui apparaît, c'est celle de base. Tu peux aller dormir à l'auberge. Ah, ça je veux bien parce que je suis un peu lourd, donc merci pour l'info. Alors, la plateforme, la première, où qu'elle est? La voilà. Ok. Il y a un pion qui va te parler. Ouais, je suis suspendu dans le vide pour le moment. Ok. Bon. Ah, on dirait que je me suis raté. Ah oui, tiens. Une pionne en fait. Ouais. I would ask aught of you, Arisen. Please, take this. My mistress gathered their like as she sought her way through the depths. She died as she was done. If you would take up her task, pray bring them here to me. I trust that you will see my mistress will done. I shall await you further on. D'accord, bon. Comme d'hab, hein. C'est à nous qu'on se tape les trucs sur la gueule. Ouais, ma maîtresse elle a fail, donc c'est à toi de faire le boulot. Mais ça le boulot, comme d'hab. Bon, faut que je ressorte du coup, je pense, pour faire un tour à l'auberge, non? Ouais. Ouais, ok. Donc c'est bon, j'ai pas fait de conneries. En fait, y'a plus d'auberge. Salle de la confusion. Si, c'est là. Non. Bah là, tu vas avoir... une salle avec deux pions qui vont te parler, normalement. Ouais, bah je peux leur parler si j'ai envie. Mais... Bah t'es pas obligé. Ouais, ils me disent bonjour. Derrière, ils sont polis. Ok, une nouvelle porte. Avec un nouveau chargement. Eh, c'est pas Skyrim, les gens. Et là, attention. Oh merde, eh, je voulais aller à l'auberge avant. Ah bah tu pourras pas. Oh merde, je peux pas faire demi-tour tout de suite? Si. Ah. Non? Non mais si t'as atterri sur la première plateforme, t'es obligé de faire le test. D'accord, donc je suis obligé de battre le gros œil violet que je viens de voir. Bah peut-être. Bon. Bon, j'ai encore pas mal de vie, je suis un peu lourd mais ça peut le faire. Ok, œil maléfique, attention, qu'est-ce que c'est que ce délire? Il est invincible tout le temps, sauf quand il fait des sorts. Ah, ok, ça m'aidera à le battre plus vite. Waouh! Je te vois. Non. Il s'est pris pour Sauron. Attends, c'est vrai, le sort c'est de la grosse lumière que je t'envoie dans la tête. Je suppose ouais, que. C'est à ce moment-là qu'il faut bien le bourriner. Ouais, c'est un peu dur. Ouais. Bon, je suppose que point sensible c'est l'œil. Ah, il a des trucs dans le dos. C'est tout dans un cul. Oh merde! Est-ce que j'ai une potion pour ne plus me solidifier? Ouais, j'en ai 4. J'ai eu de la chance, tiens. Parce que je suppose que je meurs si. Bah ouais, tu solidifies et tout.
Non, j'ai l'impression que les points sur son dos sont des points sensibles, non? Là, tu peux lui couper les tentacules. Ah oui, visiblement. Ah, d'accord, donc c'était lui qui me popait des tentacules de partout? Ouais, c'est lui. D'accord. Il est où le pion magique? Il y a. Vas-y, tu veux pas faire un sort pour me soigner? Je prends feu. Il y a une pause. Ah, il a disparu. D'accord, il est venu. Il téléporte. D'accord, comme les tentacules, quoi. Ouais. Ça craint. Je vais me faire choper par... Non, c'est bon. Ah. Bah, Ilia se soigne toute seule dans son coin, tranquille. C'est quoi ce délire? Il est en train de bouffer ou quoi? Bon, il a pas mal de vie. Ah oui, il était en train de bouffer un pion. Ah bon? Ouais. Je te conseille de couper les tentacules qui fait apparaître par terre. Cela. Alors là, il va essayer de me pétrifier. Voilà. On sait bien, les pions, il y en a aucun qui s'est fait pétrifier. D'ailleurs, s'il y en a un qui se pétrifie, comment je pourrais... Je suppose que si je finis une potion, il va pas essayer de la prendre. Si, si, il va la prendre directement. D'accord. Alors, tentacule qui fait apparaître par terre. Le seul problème, c'est que je leur fais pas trop de dégâts. Hein. Ah, quoique. Ouh! Il m'a touché? Non. Ah putain, si, il nous a touché. Alors, si je me trompe pas, si un pion. Est-ce que j'ai plusieurs trucs pour guérir de la pétrification? Ouais, j'en ai plusieurs. Ah, j'en ai un qui. Soigne tout le groupe. Ouais, c'est bien ça. Affinité voyageur, je sais pas ce que c'est ce truc là. Sada, tu peux lui offrir un voyageur. C'est pour l'affinité, c'est pour être amoureux de lui. D'accord. Bon. Je vois pas trop l'utilité de ça. Comme pour la duchesse. Ouais. La duchesse, à mon avis, c'est le perso par défaut. Bah, c'est que tu la rencontres, ouais. Enfin, c'est plutôt elle qui découvre le grand amour, même si notre pion le fait un peu aussi, d'ailleurs. J'ai des flèches empoisonnées, je sais pas si ça sera utile. Eh, j'ai des transpires de partout. C'est marrant, ça. Tic-toc. Bon, bah... Ah, nickel. Un sort pratique qui soigne de saloperies qu'on fait choper. Il reste beaucoup de villes. Bah disons que je vais pas encore tirer une barre. Il y en a 4 je crois, non? Plus. Oula. Donc c'est pas arrivé encore. Surtout qu'il nous fait des sorts un peu comme ça lui plaît. Avec ses tentacules de tous les côtés là. Ah tiens, il y en a un juste là. Hop, ça c'est fait. Là c'est un combat qui va être long. Dans le puits, tu pourras faire le plein de transpierres et de tiens de réveil. Ouais, j'ai vu une petite pierre bleue, je pense que ça devait en être une. Ouais. Peut-être. Alors attends, là il y a son œil pétrificateur, on fait gaffe. LED Rustipat, éclat de miné cristal. Je vois tous ses yeux. Merde, il a disparu. Ah, il est juste là. Merde, je vais me faire choper par un tentacule. Ah, il m'a bouffé. Ah bon? Ouais. Ah non. Faut tourner. Oh putain, je vais crever. Oh oh. Il prend une potion. Il me recrache, c'est bon. Je peux prendre une potion maintenant. Oh la vache. Alors visiblement, il a jamais essayé de te becter. Vu ta réaction. Bah si, il m'a déjà attrapé, mais c'est tout. Après, il me lance. D'accord, bah moi il m'a croqué. Ok. Allez, debout. D'accord, donc, note pour les futurs joueurs, faites attention aux tentacules. Pas trop près. Quelle maladresse. Pourquoi? Aïe. Merde, raté. Je
sur le con. Je crois que c'est les plus grands qui t'attrapent. Les petits ouais. Jettent des sorts. Bah, c'est un grand qu'il a sur le dos qui m'a chopé en fait. Ah bah voilà, c'est ça. Ah oui, bien. D'accord, oui, quand il fait son œil de la mort, c'est là qu'il faut bien le taper. Quoi. Et après, il s'écrase par terre. Oh, ça craint. Il reste plus que moi et Zvanil. Bon. D'accord, oui, je n'enlève rien du tout comme dit en fait. Ouais. Ah oui, les tentacules, je leur fais beaucoup plus de dégâts qu'avant. D'accord, bon, on va économiser l'endurance. Ah, je m'excuse de t'avoir embarqué sur un boss. C'est pas grave. Ah vache. Un autre point faible intéressant que je pourrais exploiter, à part quand il essaye de... Non. Parce que quand il fait des sorts, j'ai l'impression que mes flèches ne font rien en fait. Quand ses tentacules... Ah, tiens, c'est quoi ce... Ah bah normalement si tu tires dessus et que tu vois une espèce de bouclier, bah c'est que tu lui fais rien. Ouais. C'est un bruit bizarre aussi. Oh, je rate ce sort. Ouh, bingo, je suis mort. Ah bon? Ouais, utilise une pierre de réveil. Ouais, t'en as, bah... T'en prends une et hop, tu revis. Ouais, mais pas les pions. Non. Ça pourrait être bien d'avoir les pions. Ouais. Donc on va dire... Tu fuis? On va dire non. Je fuis? Ah, trop tard, de toute façon, là. Bon, tant pis. On va essayer. Ouais, je pourrais fuir, mais du coup... Ah, ça va être chaud. Ok. Du coup... Ça dépend combien t'as de pierres de réveil. Ouais, bah pas grand-chose. Y'a pas... D'accord. Où est-ce que je pourrais avoir accès à un coffre? Est-ce qu'il serait possible d'accéder à mon coffre, en fait? Bah c'est sur la première plateforme. Que j'ai raté? Bah si tu l'as raté, ouais. Je sais pas. Bah en fait j'ai atterri dans le couloir. Pour descendre en bas. En même temps on descend rarement en haut mais... Donc, finalement il y a un couloir pour monter. Ouais bah le puits de l'éternité, le couloir qui tourne en rond. Je peux aller là. Oui. Dans le puits il n'y a plus de couloir là qui tourne en rond. Je peux sauter dans le puits par contre, du coup, ouais. Et repartir sur la première plateforme. Ouais. Ah bah voilà, c'est bon ça. J'ai pas pensé sur le coup. Et les plateformes en dessous, y'a quoi? Bah, sur chaque plateforme, y'a un boss. D'accord, chaque plateforme, y'a un défi. Ah, ça va être marrant les prochaines vidéos, dis donc. Ouais. Oh merde, j'ai raté la plateforme. D'accord, donc chaque plateforme, y'a un pion qui vient de parler et qui vient de demander de... Non, juste une. Juste la première? Ouais. Bon, je sais pas comment je vais réussir à atterrir sur le côté. Bon, raté. C'est marrant, il y a les pions qui tombent en triangle. Je sais pas comment... Ouais. Bah tu tombes dessus. Ouais, mais bon, c'est on tombe quoi, c'est ça le principe. Donc pour s'accrocher à la plateforme, c'est chaud. Bah tu te scratches dessus. Ouais, la plateforme elle est dans le puits ou... Ou à l'extérieur avant d'entrer dans le puits? Non bah quand tu tombes du ciel, elle est juste en haut à droite je crois. Ouais, sauf que comme c'est un cercle, en haut à droite c'est conceptuel. Si tu me permets l'expression. Bah c'est au... Nord-ouest. Droite, en haut à droite. Nord-est. Nord-est. Bien, alors attends, on va chercher le nord du coup maintenant. Parce que j'ai pas l'impression qu'il est affiché sur ma mini carte. Mais le nord c'est ta tête. Ouais, pas vraiment. C'est pas grave. Parce que suivant comment tu te tournes, bah le nord il change rapidement. Voilà. Nord-est, tu y es alors? Ouais. Ok. Nord-est, hein. Je sais pas en fait par rapport à la mini carte, c'est. C'est en haut de ta main droite.
C'est la première plateforme, quoi. Ouais. Parce que si tu fais aller ton personnage vers le bas, du coup, il se retrouve dans l'autre sens. Ouais. Donc le mec est dans le puits, alors si je comprends bien. D'accord, c'est de celle-là que tu parles. Bon, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Oh là là, ça va être l'épisode, je me casse la gueule à l'infini. Normalement, tu tombes, et puis là, hop, t'as foiré dans le ciel. Ouais, 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 mais voilà, c'est ça, quoi. Je viens de le faire 3-4 fois. Je couperai peut-être ça. Donc c'est bon, t'as atterri dessus. Ah. On dirait qu'il y a un espèce de halo. J'espère que c'est la bonne. Il y a un escalier qui monte. Je crois que j'ai atterri au même endroit que tout à l'heure. Donc en fait, t'es obligé de faire le boss. Je vous en supplie, apportez les pierres de réveil. Ouais. Ah, il y a un autre pion ici. Non. Donc il y a une espèce de bol par terre. Ah, je peux acheter des trucs à un pion. Et voilà, c'est ouais. Ça. Oui, il y a une espèce de bol, ouais. Il y a un marchand, ouais. Ouais. Qui ne vend pas d'armes, dommage. Alors j'ai des potions. Ouais. Ça pourrait s'avérer utile. Ok, ouais, donc j'atterris sur le bol. Donc ouais, j'ai pas accès au coffre alors. Bah tu prends l'escalier qui est... Ah si, oui, d'accord. Ah, je suis pas sur la même plateforme que tout à l'heure ? Bah non, je sais pas, non. D'accord, donc c'est pour ça que je te disais quand je dois battre un œil violet, c'est que tu savais pas trop, c'est parce que sinon sur la plateforme que t'atterris, tu commences par un boss différent. Non, en fait, le premier boss que tu fais, c'est l'œil. D'accord. Et après, bah, quand tu atterris sur les plateformes, là, il y a le vrai boss de la salle. Ok. Hey there. Ah, Assalam. Je l'ai trouvé. Waouh. Bon. Moi, je vais proposer qu'on va s'arrêter ici, parce que ça fait une demi-heure. Ah. Putain, ça passe vite. Surtout quand on se fait latter par les boss. Oh, c'est joli. J'ai vu un éclair violet. Ouais, sympa. Ok, donc bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Merci à Krilev d'avoir participé. j'allais commencer par l'ordre. Okay. Merci à tous. Bonne journée et à la prochaine. À la prochaine.